C'est l'organisation Food for the Poor qui a attiré l'attention de l'opinion publique là sur l'existence d'un groupe d'une centaine d'Haïtiens qui vivent à l'état primitif dans une grotte au département de la Grand'Anse suite au passage du cyclone de Mathieu. Nous recensons 130 familles, plus passé 240 personnes, 84 femmes, 62 timoun piti, qui vivent misérablement accroupis dans un trou, déclaré Daniel Gérard Rousier de l'organisation Food for the Poor. Ça va le faire plus passer 6 mois depuis que situation alarmante et dégradante ça a tombé dans fond rouge département Grand'Anse sud pays d'Haïti. Cyclone Mathieu dévasté maison d'habitation yo ensemble avec jardin yo. C'est grâce à don pasteur, organisation religieuse à communauté que famille sa yo a vivre de manière désespérée et sans dignité. Des images inédites. Amis téléspectateurs.